Bonjour tout le monde, vous ne le savez peut-être pas, mais en plus d'être formateur secouriste, je suis inspecteur en défibrillateur. Ok? Et aujourd'hui, on va analyser des installations insolites. Vous êtes prêts? C'est parti. Première photo, quelle est la cause du problème? Le problème, c'est que le défibrillateur n'est pas du tout accessible. Il y a carrément des tables, des chaises. On ne peut absolument pas ouvrir, ne serait-ce que la porte du défibrillateur. Donc là, en cas d'urgence, ça va être vraiment compliqué. L'avis de l'expert, l'avis de l'inspecteur, c'est de me dégager tout ça. Hop, on laisse l'armoire accessible. C'est comme les extincteurs, faut que ça soit accessible en cas d'urgence. Photo suivante. Ce charmant jeune homme ne fait sûrement pas 1m90, mais l'armoire est tout de même beaucoup trop haute. Donc, là, il y a problème. Déjà, il n'y a pas de signalétique, il n'y a pas d'étiquette de suivi, l'armoire est beaucoup trop haute. Donc, on va faire une petite mise à jour. Attention, Bob, la mise à jour. Eh ben voilà, là c'est mieux. On rappelle que les défibrillateurs doivent être accessibles aux personnes de petite taille et aux PMR, aux personnes à mobilité réduite. Là c'est mieux, voilà. L'étiquette de suivi, rouge et blanche, cachée juste derrière la manche du monsieur. La signalétique, une affiche geste qui sauve au-dessus, appelez masser défibrillé, le défibrillateur à la bonne hauteur. On est parfait. Ah, alors là j'ai un petit problème avec mon ordi. Évidemment, c'est les joies du direct. Alors, mon père m'a appris quand j'étais plus jeune, CTRL-ALT-SUP, pac. Oula. Allez, ça a lancé l'abonnement. Ok. Alors, profitez-en, abonnez-vous à la chaîne YouTube hein, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Likez, commentez et partagez cette vidéo. Alors, après, il m'avait dit double échappe, tac, tac. Voilà. On peut continuer. Pour la photo suivante, on va faire un petit jeu. Je vous la montre pendant 3 secondes. Et vous essayez de trouver où est le défibrillateur. Vous êtes prêts? Attention. 1, 2, 3. Alors, est-ce que vous l'avez vu? Non? Allez, je vous la remontre. C'est parti. Tac. Alors, il est où le défibrillateur? Il est où? Eh ben, il est en bas. Regardez là. À côté de la poubelle, le truc vert dans la sacoche noire. Ben, ça, c'est un défibrillateur. Ça, c'est un problème. Pas de visibilité, pas d'étiquette de suivi. Donc, à part la personne qui l'a mis là, ça va être très compliqué de savoir où il est. Donc, avis de l'expert, avis de l'inspecteur, le mettre dans une armoire adaptée avec de la signalétique pour savoir où il est et pour qu'il soit dans un bon espace de stockage. Okay? Votre extincteur, je reprends encore cet exemple, hein, vous ne le mettez pas dans un placard au fond à droite derrière les dossiers. Non. Photo suivante. Alors, la prochaine fois, je fais une petite parenthèse, hein, mais la prochaine fois que vous prendrez votre courrier, faites très attention, il peut y avoir des défibrillateurs dans votre boîte aux lettres. Oh bah tiens, c'est fou la transition. Un défibrillateur dans une boîte aux lettres. Incroyable. Bon bah alors là, si tu lis pas défibrillateur et si t'as pas un peu de jugeote, je peux te dire que dans l'urgence, tu ne trouveras absolument pas le défibrillateur. Donc l'avis de l'expert, c'est tout simplement que le défibrillateur, il est dans une boîte aux lettres qui n'est pas chauffée ni ventilée hein, pour les conditions climatiques, n'est pas étanche. Bref, il n'est pas dans une armoire adaptée, donc il faudrait mettre une armoire adaptée, il faudrait mettre de la signalétique. Au niveau de la hauteur, c'est pas mal. Mais bon, c'est pas du tout. Pour l'instant, cette installation n'est pas du tout aux normes. Et au fait, j'avais une question. Est-ce que vous préférez avec les lunettes ou sans les lunettes? Avec? Sans? Bon, peu manchot, je vais garder les lunettes. Allez hop. Donc, photo suivante. Oui, effectivement. Alors là, l'armoire intérieure à l'extérieur, c'est un grand classique. Évidemment, c'est pas adapté, elle peut prendre la flotte, ça peut rouiller, il peut y avoir de l'eau dans l'armoire qui va affecter le défibrillateur. L'armoire est beaucoup trop basse, il y a une signalétique, mais bon, pas assez visible hein, pour moi. Et le choix de l'emplacement, alors j'ai pas vu les alentours, hein, mais je pense qu'il y avait quand même mieux à faire que de le mettre ici. Après, on reste à côté de la boîte aux lettres, hein, officielle de la poste, et juste à côté, vous pouvez voir, hein, il y a la boîte aux lettres, une autre petite boîte aux lettres. Ça reste dans le thème des boîtes aux lettres. Avis d'expert, changer d'endroit, mettre une armoire adaptée, mettre de la signalétique et mettre une étiquette de suivi qui n'est toujours pas visible ici. Je rappelle que c'est obligatoire. Bon, on va finir sur une bonne installation quand même parce que là, voir 4-5 installations pourries, ça m'énerve. Donc, une bonne installation, voilà, ça c'est une bonne installation. Armoire extérieure, branchée, étiquette de suivi sur le côté, affichette, geste qui sauve juste au-dessus, appeler, masser, défibriller. Là, c'est une installation qui est nickel. Avec ce genre d'installation dans votre commune hein, ou dans votre entreprise, il y a beaucoup plus de chances de sauver des vies que si le défibrillateur est caché sous un bureau ou dans une boîte aux lettres, évidemment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et n'oubliez surtout pas
les trois choses les plus importantes en cas d'arrêt cardiaque. Appelez, massez, défibrillez. Ciao !